Allez, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Vous êtes extrêmement nombreux ce soir sur le live. Bienvenue à tous, donc déjà bonsoir à tous. Alors je me permets de me mettre en direct. Pour résumer donc un petit peu ce qui s'est donc passé donc hier. Donc pour ceux qui ont vu donc les pseudos qui sont donc arrivés donc hier donc sur le live donc du convoi de la LTBFC. Je me permets donc de prendre la parole en tant que PDG donc de la LRDF et donc des représentants donc des deux chaînes Simulation FSXP 3D ainsi donc LRDF donc les routiers de France. Donc pour ceux qui vont voir ce live ou qui vont le revoir, peu importe parce que ça sera en rediffusion. Comme vous le savez, Mrs. Roxane, donc mon ex, je vais parler donc de Halo Man 66X pour ceux qui le connaissent. Alors, je ne vais pas vous en parler en bien, hein, parce que je sais que je vais me faire des ennemis sur certains youtubeurs ou certains streamers donc, qui font des streams sur YouTube ou sur Twitch. Je vais vous parler donc d'Halo Man 66X dans un premier temps. Alors, Halo Man 66X, donc au nom donc, de Giovanni, donc sur sa chaîne Halo Man 66X sur Twitch. Donc, il fait beaucoup de vols, sauf que je viens donc d'aller tout à l'heure donc sur sa chaîne Twitch. Et j'ai découvert que ce dernier donc demandait en abonnement donc 4 euros aux gens, donc c'est excessif, pour pouvoir s'abonner et avoir donc des privilèges. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier donc ment à sa communauté, et en fait, le vice de problème, il est que derrière, ce type-là, en fait, ment à sa communauté, il s'est permis donc de manipuler donc mon ex Roxane. Alors Roxane, donc c'était une jeune fille que je connaissais. Voilà, par le biais donc d'Instagram, par le biais donc des réseaux sociaux. Et donc ce qui va se passer, enfin ce qui se passe, coucou Sego. Donc en fait, pour ceux qui arrivent en cours de route, donc vous pourrez donc revoir donc mes explications. Donc ce qui se passe donc concernant donc Halo Man 66X. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, pour bien la faire court, en gros, c'est un manipulateur de première. C'est vraiment un manipulateur de première. Mais quand je vous le dis, c'est un manipulateur de première. C'est-à-dire qu'en gros, il a manipulé donc mon ex. Et donc, en gros, le harcèlement donc, que vous avez vu donc hier donc sur Truckers MP, c'est le même sur Vatim, c'est le même sur Ivao, c'est le même sur Postcode. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que Roxane hier n'a pas voulu voir les images. D'accord? Donc, par refus d'admettre ses erreurs, par refus en fait que Halo Man continue donc de cacher la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 heures, il était en direct sur Twitch, d'accord? Donc il a fait un vol jusqu'à Châteauroux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce type-là, il devait me retenir au courant, d'accord? Et donc il devait chercher les éléments de réponse, d'accord? Que je lui avais donc demandé. J'ai demandé plusieurs entretiens avec lui sur Instagram, or ce monsieur ne veut donc pas. En fait, ce qui se passe, c'est que en gros, il travaille donc avec Payano, avec Enzo D8, avec Guy D8, avec Ozan Guven, pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé sur Truckers MB, donc le harcèlement qu'on a un peu vécu directement donc en jeu hier sur le convoi donc de la LBFC. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Payano, c'est un pirate informatique, d'accord? Mais en fait, Aloman l'avait mis donc modérateur admin de son serveur, d'accord? Ok, j'ai vu ton message, je sais où. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de là, en fait, ces admins et modos ne font rien par rapport à la connerie donc de manipulation donc de Mrs. Roxane. Moi, ça me fout les boules parce que, je veux dire, à un moment donné, en fait, l'aéronautique civile virtuelle, elle est entachée par le comportement de Halo Man 66X. Parce que, si vous voulez, en fait, ce type-là, il se tape mon ex, d'accord? Il a refusé de m'écouter. Enfin, c'est pas qu'il a refusé de m'écouter, c'est qu'il m'a écouté quand même entre 1h et 3h du matin parce qu'on s'est eu en vocal directement, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, à partir de là, le mec était parfaitement au courant de ce que fait Roxane. Alors, pour ceux qui arrivent, donc, en fait, Halo Man 66X, pour bien récapituler la chose, il est youtubeur et donc streamer donc sur Twitch, donc il fait donc des vols sur Twitch. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier donc se tape mon ex, hein, qui est donc manipulé directement donc de par le biais donc de sa chaîne et donc de sa communauté. Faut savoir qu'il suit quand même pas mal de filles, hein. Je dis ça, je dis rien, moi on me critique, mais voilà. Non, le problème, c'est que si vous voulez, en fait, le vice de problème, c'est que l'aéronautique civile virtuelle et tout comme la majeure partie de la communauté FR de TS2, en fait, s'allie de par cet individu et de par donc la manipulation, et donc de fait, donc il touche quand même 6 800 euros par abonnement,
D'accord? Donc en fait, à chaque fois 4 euros donc par follower, d'accord? Donc si vous faites le calcul, ça fait 6 800 euros au nombre d'abonnés. Hein. Bien entendu, j'ai pris donc ces derniers abonnés, 1 700 fois 4 euros, ça nous amène à 6 800 euros. Je trouve quand même que franchement, avoir ce résultat, je trouve ça honteux. En fait, il n'y a même pas de mots pour qualifier ça d'ignoble. Et il n'y a même pas de mots, en fait, pour que tout ça soit compris, en fait. C'est-à-dire que hier, ce que vous avez vu hier sur Truckers MP, sachez que ça se répète aussi sur Vatim. Et alors ça, par contre, on n'est pas capable de faire le nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est entaché par son comportement et donc le fait qu'en gros, il continue de manipuler mon ex, d'accord? Donc il continue, en fait, en quelque sorte, directement, Alloman, on t'emmerde, solo turc, Alloman, t'emmerde. Ah, d'accord. Alors, attends. Alors, ban, Alloman, voilà, regardez, ça commence. Vous voyez, c'est... Alors, ban, alors, Halloman. Voilà, donc, vous voyez, ça recommence, c'est la même chose. Ah, il a été ban, d'accord. Donc, ban, solo turc, 95, lui, il a accepté ce qui se passait, désormais banni, ok, et ban... Donc, Alloman. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc cet utilisateur, en fait, Alloman, donc manipule les gens. Tout comme sa communauté, en fait. Hein. Il faut se dire les choses. Hein. C'est pour ça que je me suis permis donc, de faire un live, pour vraiment vous sensibiliser, donc d'arrêter de le suivre. Parce que ce qu'il fait, c'est ignoble. De la manipulation. Et surtout, se taper mon ex et dire et oser me dire qu'en fait, c'est qu'un plan cul. Et qu'il a aucun respect, mais aucun, pour les gens qui sont dans le mal, d'accord? Pour les gens qui sont dans le mal, comme moi, qui sont en dépression, qui sont en détresse, je trouve ça ignoble. Mais ignoble. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Le mec, je lui demande de me tenir au courant, il fait rien. Le mec, il fait rien. On lui envoie des messages, le mec, pff, mec, il répond pas. Mais par contre, pour se taper mon ex, ça, par contre, il sait faire. Donc, en gros, il a quand même manipulé mon ex, donc avec Soloture95, qui s'est abonné tout à l'heure, donc Monsieur Ozan Guven, donc Monsieur Payano, Monsieur Enzo Dewitt, Monsieur Guy Dewitt, son épouse, etc., etc. Voilà, donc, en quelque sorte, vous aurez un petit peu compris, donc, ce qui se passe. Bon, c'est le même topo qu'hier, mais bon, écoutez, voilà. Au moins, vous savez des choses. Vous savez que Alloman, c'est quelqu'un de pas fréquenté. Salut, Super Gamer. Donc, ça doit être Brian qui a dû arriver directement. Donc, voilà. Donc, écoutez, voilà, maintenant, je me suis permis de me mettre en direct parce qu'il faut rétablir la vérité, il faut rétablir ce qui se passe actuellement, et donc expliquer aux gens ce qui se passe, c'est-à-dire que Alloman, c'est un manipulateur de première, c'est un menteur de première, donc voilà, donc écoutez, voilà, maintenant, ces modérateurs n'écoutent pas beaucoup, ces modérateurs ne sont pas capables de venir me contacter, bah oui, vous comprenez bien que forcément, accepter ce genre de comportement et donc de situation... Voilà, hein, après devoir s'expliquer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ceux qui me regardent, voilà, faut vraiment vous désabonner un maximum de la chaîne Alloman66X. Ce mec-là, de toute façon, je vais lui faire une réputation de merde parce qu'il m'avait dit oui, t'inquiète pas, je vais chercher et tout. Sauf qu'il a absolument rien cherché, il m'a tenu des belles paroles et en fait, bah, il a rien fait quoi. Ce mec-là, il a rien fait. C'est un menteur de première, il se tape mon ex, il manipule mon ex. Donc comme je vous ai dit, et c'est pour ça que je me prends le temps ce soir donc de vous faire un live. Vraiment, allez contacter mon ex sur Insta, s'il vous plaît. C'est très important. C'est @Roxane ROXAN.Nerox, Nerox. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les mains de dangereux manipulateurs comme Soloturk, donc comme Monsieur Ozan Guven, comme Monsieur Enzo Dewitt, comme Guy Dewitt, etc., etc. Il faut faire extrêmement attention. C'est des manipulateurs. C'est pour ça que je me permets de faire ce message vidéo ce soir pour vous sensibiliser par rapport à ça. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a encore Payano qui recommence à faire des faux comptes. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça prouve un petit peu les choses et ça montre que bah voilà, on accepte donc le harcèlement que je subis directement sur ETS2 ainsi que sur Vatim et Ivao. Mais bon, voilà. Ça, Alloman s'en cache bien de ne pas vous en informer. Voilà pour ce live. Je pense que mon message va être compris. Donc, je vous demanderai à tous vraiment, s'il vous plaît, de faire un maximum, maximum, maximum de contacts envers donc Roxane. Alors, tu peux bannir, c'est ce que j'ai fait. Non, tu peux déban, non. Alors, je vais pas le déban. Non, non, je vais pas le déban. Ça t'arrivait.
Non, non, ce mec-là, il protège des gens et il y a même pas, c'est même pas la peine. Donc voilà, donc toi t'es aussi banni. Donc voilà. Donc je pense que donc vous aurez donc compris un petit peu donc la face cachée donc de Monsieur Alloman 66X. Donc voilà, donc pour la communauté aérienne de la simulation, donc sur VATSIM, sur IVAO, sur POSCON, voilà, évitez de le croiser. De toute façon, tous ces call signs, c'est Transavia 066, d'accord? De toute façon, on va se le dire. Donc voilà, donc écoutez, de toute façon, voilà, il faut. Malheureusement, le problème, c'est que peu de personnes vont essayer donc de contacter Roxane. Et donc, en fait, eh ben, on continue en fait dans cette même traversée, dans cette même logique, de la laisser dans son erreur. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait que les gens puissent laisser quelqu'un dans les mains de dangereuses personnes comme Alloman, comme Payano, etc., etc. Donc, voilà. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Je veux dire, voilà. Mais bon. Au moins, vous comprendrez donc directement. Vous comprendrez donc directement donc l'attitude de ces derniers sur chaque live et donc sur sur ETS2. D'ailleurs, au passage, Payano a été banni donc de Truckers MP hein, pour avoir fait du harcèlement hein, et pour avoir fait donc du reckless driving. Et puis c'est surtout que mon ex ne veut pas comprendre, hein. Donc voilà. Donc écoutez, en tout cas, je remercie vraiment du fond du cœur Manon, je remercie du fond du cœur Eteva, donc du serveur Île-de-France, je remercie Brahms du serveur Île-de-France, je remercie. Je vais essayer de retrouver les noms, comme ça va être fait. Et puis après, je vais laisser donc la parole à ma copDG, comme ça va être vite fait. Et puis elle va vous donner son ressenti. Donc voilà, mais nous en aucun cas, moi je veux dire, à un moment donné, le mec il me promet mondes et merveilles, mais en fait, c'est un menteur de première, un manipulateur, et c'est un pervers narcissique, hein, ce type-là. Donc voilà, donc écoutez, voilà quoi. Alors le serveur Île-de-France, donc c'était Brahms et Black Pumas, ainsi que Eteva directement, donc je les remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, un gros kiff, merci pour vous, enfin merci pour. De me soutenir. Après, j'ai envie de vous dire, après, vous avez donc entendu donc l'annonce officielle comme quoi, donc je me suis remis quand même avec Elodie, d'accord? Donc voilà, courage, ça va aller, je sais, je sais, merci. Ben écoute, malheureusement, peu de personnes contactent Roxane pour lui dire qu'elle est dans les mains de dangereuses personnes. Donc voilà, donc écoutez, de toute façon, moi, ça fait mal, hein? Ça fait mal parce que je suis même pas soutenue de part. La communauté de TS2. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont contacté cet après-midi pour prendre quand même de mes nouvelles. Donc, je les remercie quand même. Donc voilà, et je remercie aussi directement donc toutes les personnes qui voilà qui voilà qui ont été là donc pour me soutenir. Alors les pseudos, putain, c'est pas de la jalousie, hein, c'est pas du tout de la jalousie. Je vois pas du tout pourquoi ces pseudos-là de merde. Mais bon, c'est pas grave. Hop, comme ça va être fait. Voilà. Et donc, en fait, et bah voilà. En gros, c'est pas de la jalousie, hein, mais c'est en fait, ni plus ni moins, en fait, de l'information. C'est-à-dire que Alloman, c'est un manipulateur de première, d'accord? Donc, il manipule mon ex avec Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, avec Tropical Group, avec GCC Virtual Group, donc avec Abdulaziz aussi. Mais bon, ça, on veut pas vous en parler. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me permets donc de faire cette vidéo, vraiment pour mettre un coup de pression à Alloman. C'est simple. Il a un peu moins de 24 heures pour dégager la fameuse Roxane, d'accord? Et donc dire la vérité à sa communauté. Sans quoi la vidéo, elle restera sur les deux chaînes, d'accord? Et je peux vous garantir que le nombre de vues que je fais par rapport à son attitude et surtout le fait que ce dernier vole sur le réseau VATSIM France, je trouve ça honteux et un manque de respect parce que c'est de la concurrence déloyale et c'est de l'atteinte à la vie privée. Je trouve ça juste inadmissible et intolérable. Voilà sur ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser donc la parole à Ségolène. Et puis on va y aller. Hop, Ségolène, je te laisse la parole pour t'exprimer donc par rapport à Alloman, par rapport à Roxane, pour tous les auditeurs qui nous suivent directement en direct. Vas-y, Ségolène. Alors, Je sais pas Ségolène. quoi dire. Ah, tu sais pas quoi dire. Bah, par rapport à Roxane, de toute façon, on en avait déjà parlé. De toute façon, Roxane, c'est une manipulatrice, hein, elle joue avec les hommes. Manipulatrice, et ouais, elle est manipulée par Alloman. Alloman, on a beau lui envoyer un message juste pour le
lui dire que c'est manipulatif, il répond, ouais, non, il répond dans le vague. C'est ouais. un message, voilà. Voilà, donc vous avez un petit peu compris. Donc en fait, pour ceux qui nous regardent en direct, vous avez donc compris que Aloman, c'était pas quelqu'un à fréquenter, malheureusement. C'est un manipulateur, ce type-là. Et en fait, le problème, c'est qu'il s'en prend à mon ex, donc il s'en prend directement à ma personne. Donc encore une nouvelle fois, en fait, mon ex, ce qu'elle a pas compris, c'est qu'elle s'est fait donc manipuler donc par Aloman. Ça veut dire que toutes les batailles qu'il y a eu sur Truckers MP, sur Ivao, sur Vatsim, sur Postcon, en fait, tout ça n'est même pas respecté. Et moi, je trouve ça juste honteux et ignoble, en fait, parce que si vous voulez, tout ça, il n'y a même pas de respect, en fait. Il n'y a même pas de respect pour moi, il n'y a même pas de respect pour le travail que j'ai effectué pendant 4 ans, c'est-à-dire à me battre et à prouver par A plus B que j'étais pas du tout responsable des hackings des serveurs de la LCE, des hackings que Monsieur Manfred m'avait accusé. Mais ça aussi, on ne veut pas vous en parler parce que les réseaux comme Ivao France ne veulent pas vous en parler, mais c'est pas grave. Enfin bon, c'est plein de choses comme ça, si vous voulez. Il y a un énorme manque de respect, quoi. Donc, voilà. Et après, en plus, elle vient pas s'excuser. Non, elle vient. En plus, elle vient pas s'excuser. C'est ça. En fait, c'est ça, moi. Le pire que le pire, c'est qu'on lui dit qu'elle est en danger et en fait, on a beau lui dire et en fait, elle n'écoute pas. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai envie de vous dire, bah, c'est comme ça, malheureusement, et j'ai envie de vous dire, et bah, c'est dommage. C'est dommage parce que en fait, et bah, voilà, on a beau lui dire, on a beau lui expliquer, on a beau lui envoyer des preuves, on a beau tout envoyer, en fait, on n'est même pas, enfin, je suis même pas récompensé. En fait, hier, j'ai perdu donc ma nuit. De 1h à 3h du matin. Donc voilà. En plus, regardez, il y a un pseudo Aloman, baisse ton ex. Mais c'est juste honteux. C'est juste honteux, ces pseudos-là. Mais enfin bon. Donc voilà, je vais arrêter le live ici. En tout cas, je remercie tout le monde encore une nouvelle fois de me soutenir. Donc voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça servira à tout le monde et ça servira d'exemple. J'espère que vous serez nombreux à vous unfollow donc de la chaîne donc de Aloman66X. Il ne le mérite pas, c'est un manipulateur de première. Tout comme Roxane d'ailleurs, qui ne vient toujours pas à s'expliquer. Merci à vous, merci à toi Brian. Et puis sur ce, voilà. En tout cas, on attend tous vos messages de soutien sur le compte Instagram LRDFETS2ATS. Soyez extrêmement nombreux à nous contacter. On vous attend parce que voilà, c'est plus on va faire bloc contre Aloman et plus on montrera un petit peu ce que lui fait, et c'est-à-dire de l'atteinte à la vie privée et surtout ce qu'il fait actuellement avec mon ex. Je trouve ça juste honteux et ignoble. Ce dernier, j'ai pris le temps hier de 1h à 3h de tout lui dire. Voilà, il ne le fait pas, il n'y a même pas de respect pour moi, il n'y a même pas de respect pour vous tous, donc la communauté française de TS2, ni même la communauté donc de l'aéronautique civile virtuelle. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, concernant Roxane, de toute façon, cette dernière, je ne sais pas quand est-ce qu'elle viendra s'excuser. Certainement pas tout de suite, puisque madame est complètement influencée. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ce qu'il faut retenir donc de cette conférence assez rapide, c'est que le Aloman ne veut que la sauter. Hein. De toute façon, on avait eu donc Benjamin hier qui nous avait contacté, qui lui a dit « Attention, Aloman ne veut que ton ex, d'accord ?» que par le cul, et il en a rien à foutre. Et moi, il me l'a bien dit. Il m'a dit, en fait, et bah, en gros, il en a rien à foutre. Il veut pas de relation sérieuse. Il s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc en fait, il manipule tout comme Ozan Guven, tout comme Payano, tout comme Enzo DeWitt, mon ex, qui tombe dans le panneau. Donc voilà. La seule qui est pas tombée dans mon panneau, c'est Elodie. Voilà. C'est la seule. Et je pense qu'elle a été un petit peu plus intelligente parce que elle m'a écouté, m'a soutenue. Donc voilà. Voilà, messieurs, dames. Mmh. Je ne sais pas si vous avez encore des questions pour ceux qui sont arrivés, parce qu'on est 12 sur le live ce soir. C'est pour ça que j'en profite directement de faire ça. Ségolène, est-ce que tu as un mot à rajouter par rapport à ce que j'ai dit ou pas ? Non, j'ai pas le mot à rajouter. T'as pas le mot à rajouter, on est d'accord. Ok. Bon, et ben écoutez, sur ce, si vous n'avez pas de questions, j'en vois pas actuellement à l'écran. Et ben écoutez, sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis en tout cas voilà, en tout cas vraiment allez signaler aussi en masse la chaîne d'Aloman 66X, c'est très important aussi. Donc voilà, ok pour Super Gamer 34000, et bah sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore de votre soutien et sur ce on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde, bonne soirée.